bénito, les yeux ne vont pas me détourner sur mon combat parce que certains prennent ça comme un répit pour un moment. Non, mon beau, assalamu alaikum. Voilà, mon beau Aliou Barionoye, bon. Partagez mes téléphones, nous parlerons, nous remercierons Baouri pour cette précision, cette vérité. Voilà, et en même temps, parler du, prendre l'exemple sur le grand frère de Doumbouya, Kédian Doumbouya, et Bogolan Haba, parce que ce que Baouri dit, c'est une réalité. Voilà, voilà. Parce que les changements, oui, j'ai vu Souza. Voilà, j'étais un peu, voilà, j'ai vu Souza. Donc, nous prendrons ces exemples-là pour venir mettre devant M. Baouri, voilà, qui est également à Paris, parce que Doumbouya ne peut pas se rendre là-bas. Finalement, Macron avait désisté à le rencontrer. Voilà, Macron en personne, selon les informations, ne voulait pas qu'il soit présent à la cérémonie d'ouverture, parce que certains voulaient faire le forcing, comme ce qui s'est passé à New York. Mais, selon les informations, Emmanuel Macron en personne a désisté. Il a dit, voilà, les lobbies, les milliardaires, ceux qui ont poussé Doumbouya contre le procès à Fakonde, voulaient faire ce coup KO, être le seul chef de la junte présent à la cérémonie, parler de ceci et là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez vu la vidéo qui circule, l'interview de la dame qui a enquêté sur le coup d'État en Guinée. Pour, la dame est arrivée à une conclusion que nous avons dit déjà. Et c'est une réalité. C'est le seul coup d'État où il y a eu suffisamment de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Ceux qui ont poussé Doumbouya à faire le coup d'État ne s'attendaient pas à ce nombre de morts. Donc, ils étaient obligés de gérer. Voilà. Ils étaient obligés de gérer les morts parce que ça compte. Voilà. Ça compte beaucoup. C'est une réalité. La dame a parfaitement raison. Parfaitement raison. Parce qu'il y a eu tellement de morts. Il faut gérer les morts parce que avec ce nombre de morts, avec cette situation de morts, Amnesty International, Human Rights Watch, il y avait beaucoup d'institutions qui allaient sortir, prendre ça et indexer ceux qui ont appuyé ce coup d'État. Donc il fallait aider Mamadi coûte que coûte à faire disparaître le corps pour ne pas qu'on voit où on se rend compte où réellement ils ont mis ces corps. Donc, ils l'ont beaucoup aidé. Maintenant, c'est devenu erreur parce que selon les informations, selon la dame, Macron en personne l'a dit, lui-même en personne. Voilà. Et ceux qui l'ont expliqué comment le coup d'État s'est passé, ceux qui l'ont expliqué de fermer les yeux sur le coup d'État, ceux qui l'ont demandé d'appuyer le monsieur parce qu'il a déjà fait le coup d'État, ont compris par ailleurs que c'était une grosse erreur. Macron même est très, très dessus de l'allure même la façon dont la transition se déroule à Rubiné. Mais c'est terminé. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini, c'est une erreur. Et je pense que c'est une réussite aussi pour tous les communicants. C'est une très, très grande réussite pour les communicants. Voilà, il y a l'interview qui va, mais je vais vérifier d'abord s'il n'y a pas. Si quelqu'un n'a pas le droit d'auteur sur la vidéo, si vous voulez, demain, je vais faire passer la vidéo, bien, je serai sur YouTube tout de suite là. Voilà, vous faire passer. Mais revenons d'abord sur la sortie de Baouri. Nous voulons dire merci à Baouri. Vous avez vu ce que Baouri a dit. C'est une réalité. Vous avez vu le test. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Moi, je le félicite parce que il y a ce qu'on appelle le changement. Il y a deux sortes de changements. Donc, on ne peut pas dire que Baouri a menti. Il a parfaitement raison. Il y a deux sortes de changements. Le changement pour apporter du progrès pour le pays. Et il y a un changement qui fait régresser le pays. Donc, on ne peut pas dire qu'il a menti. Parce qu'il ne précise pas. Il ne précise pas le genre de changement. Parce qu'il ne dit pas dans la positivité. Il ne le dit pas encore dans la négativité. Il le dit clairement. Et je vais le dire. Nous pensons qu'aujourd'hui, Ousmane Gawalou, Baouyo, sont en train d'enfoncer le CNRD dans le bon sens pour nous. Parce que, quelque part, je me dis que cette affaire-là, il est loin après la transition. Très loin après la transition. Nous allons lire demain le
le résumé de la plainte des deux dames, l'épouse de Fonike Mang et Dame Doucouré et l'épouse de Bilo, voilà, ils ont porté plainte, tout le procureur a reçu, il y a le document qui fait foi la réception de la plainte contre Mamadi Doumbouya. Donc, le document fait foi. Voilà, on le disait, mais nous avons voulu le document et ils nous ont envoyé le document. Donc, le procureur de la République auprès de la Cour de Coire et Paris a reçu le document, il a notifié, il a remis réception. Voilà, réception. Kouranko, comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc, le document a été reçu, est reçu par le procureur de Paris. Donc, ceux qui ont la mémoire courte, Ayal Konoko, vous allez passer facilement à Paris, à Mako Bratoir. Parce que la liste qui accompagne le document n'a pas été mise sur la place publique. Il y a une liste, c'est Mamadi bel et bien qui est indexée. Mais le procureur de Paris n'est pas bête. Parce qu'il y a au moins 7 personnes qui se trouvent sur cette liste. Parce qu'il y a celui qui a ordonné. Et ceux qui ont appliqué. Il y a deux, c'est différent. Il y a un qui a ordonné. Il y a ceux qui ont préparé le kidnapping. Et ont appliqué et ont fait disparaître. Donc, ouf là les quoi. On donne le nom du chef. Maintenant, en détail, les autres vont répondre. Parce que lorsque le procès va commencer, ils vont citer des noms. Ceux qui ont participé, la tête, c'est Doumbouya, mais la queue, c'est Bala Samoura, le patron des Cobras, et Sangaré des renseignements militaires, et puis Zonas, et puis Bamba. Ils sont là-bas. Voilà, l'exécutant. Le groupe d'exécutants, c'est eux. Nous avons demandé de ne pas mettre la liste sur la place publique. Parce que selon le document que nous avons reçu, il y a des femmes qui sont complices aussi dans cette indication de la présence de Fonike Mang telle heure. Il y a Fonike Mang qui a été filé une semaine de cela. Je pense que si les proches de Doumbouya ou je ne sais pas, les proches du CNRD pensent que les autres dorment, ils se trompent. Il y a des personnes qui ont vu, qui ont su, qui ont recoupé toutes les informations par rapport. Est-ce que par rapport, je dis bien par rapport, tout autour de Fonike Mang. Grand Escanté, Bindiane Mantarafani. Donc, nous allons d'abord lire ce que Baouri a dit. N'allons pas tarder, s'il vous plaît. Nous sommes un peu fatigués. On suivait la cérémonie des Jeux Olympiques. Voilà. Et je souhaite bonne chance à notre équipe nationale. Voilà. Quand je parle d'équipe nationale, comprenez très bien, je parle des États-Unis. Voilà. Aujourd'hui, demain même, le soir même, je vais porter mon t-shirt de team. Voilà. Je vais porter ça tout de suite là pour faire mon direct sur YouTube, Inch'Allah. Donc, M. Baouri, merci. M. Baouri, voilà ce que vous dites. Il n'a fait rien de Kogonga. Voilà, Kogongamon, vous avez parfaitement raison. Voilà. Ceux qui veulent la vidéo, ça est là. Voilà. C'est ça la vidéo. Voilà. La Guinée. Concernant le coup d'État sanglant qui a eu lieu donc en Guinée, qui a évincé Alpha Condé le 5 septembre 2021, est-ce que le chef du putsch, Mamadi Doumbouya, a été appuyé par les États-Unis et la France? Et j'ai choisi de mettre ce coup d'État, d'intégrer ce coup d'État dans cet ouvrage, dans toute la partie coup d'État, parce qu'il est exemplaire des doubles standards, de la géométrie variable, et vraiment, ça c'est presque un cas d'école. Le coup d'État du 5 septembre, ça a été un coup d'État. Alors c'est le seul coup d'État qui a été, parce que dans tous les autres coups d'État, il faut préciser, il n'y a pas eu de mort.
Aucun mort, aucun blessé. Bon, peut-être que quelque part il y a eu deux morts et qu'on les a cachés, mais peut-être au Burkina Faso la première, ou lors du premier coup d'État. Mais sinon, aucun coup d'État n'a été sanglant. Celui qui a eu lieu en Guinée-Conakry a été particulièrement sanglant. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que les morts pendant les coups d'État, c'est un peu l'omerta absolue. Là, on sait, j'ai été en Guinée, j'ai rencontré les gens, on sait, alors on n'a pas de chiffres précis, mais c'est quand même important, hein, c'est entre 100 et certains disent jusqu'à 160. Il y a des associations de femmes qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, mais qui cherchent toujours la dépouille de leur mari. Ça a été, alors pour le coup, un vrai coup d'État, qui a été néanmoins très bien monté, parce que, bon, je le raconte dans le livre, il y a eu une infiltration intérieure, et il a été réalisé par les forces spéciales de Guinée. Ce qui est très curieux dans ce coup d'État, donc ils chassent Alpha Condé. Le président Alpha Condé, qui était là depuis 10 ans et qui avait fait et qui s'était fait élire pour un troisième mandat constitutionnel, qui était très très mal passé parce que bon, les troisièmes mandats anticonstitutionnels ne sont jamais bien approuvés. Mais donc Alpha Condé est déchu lors de ce coup d'État et qui est réalisé par les forces spéciales. Première chose. Celui qui va devenir chef de la junte, qui est le chef des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, qui est un ancien légionnaire français, marié avec un officier de la gendarmerie française, enfin une officier de la gendarmerie française, ne participe pas au coup d'État. Lui, tout le monde me raconte qu'il est dans une voiture près d'une ambassade, voilà, il attend que le coup d'État soit fini. Mais en revanche, ce qui est très curieux à ce moment-là, c'est que on voit des militaires américains suivre le convoi. Une fois que le coup d'État est fait, que Alpha Condé a été pris par les militaires et qu'il est déplacé de son palais au camp militaire, donc dans la foulée de ce convoi, on voit des militaires américains qui, tout joyeux, qui suivent le convoi. Donc, ça, c'est quand même surprenant, pour le moins. Alors, bien évidemment, les images sont passées. Voilà. Donc, je ne pourrais pas faire... Il faut que je vérifie d'abord si j'ai le droit de faire passer la vidéo. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un complot. C'est-à-dire, quand vous écoutez la dame, là, elle a enquêté. Elle a enquêté, bien sûr, en Guinée, sans se faire connaître. Elle a fait l'enquête, elle a tout rassemblé, et puis elle est venue aux États-Unis enquêter au niveau des renseignements. Elle est partie en France. Maintenant, elle a regroupé toutes ces informations dans un document. Je vous dis, quand vous regardez, vous comprendrez que Doumbouya n'a été que seulement le parrain. C'est-à-dire, Doumbouya, c'est le nom, on dit c'est lui. Sinon, ceux qui ont fait le coup d'État étaient tranquillement assis quelque part à l'Occident et puis ils ont appuyé. C'est tout. Aujourd'hui, c'est parce que ça s'est très mal passé. Tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été préparé contre la Guinée, tout ce qui a été prévu n'ont pas été respectés depuis le départ. C'est-à-dire le coup d'État a dévié. Tout a dévié depuis le départ. Donc, il y a eu échec. Maintenant, là, personne ne veut prendre la responsabilité du coup d'État parce que, quelque part, les autorités des droits de l'homme, ceux qui sont chargés de faire respecter le droit de l'homme, ceux qui enquêtent sur les tueries et autres, documentent et gardent pour poursuivre un jour les auteurs des putsch, ont déjà documenté, ont préparé tout, ils ont mis de côté. Et voilà, certaines personnes veulent pousser l'affaire de la Guinée dans le camp des uns et des autres. Personne ne veut être les Américains. Les Macron même aujourd'hui est... Parce que, je le dis, excusez-moi. Voilà.
Est-ce que j'ai bloqué quelqu'un là-bas, ne répondez pas à un certain Amara Touré. Je l'ai bloqué, ne répondez, pas. Voilà. Ne répondez pas. Donc, personne ne veut être aujourd'hui responsable de ce coup. Et c'est déjà gâté. C'est fini. Comment le réparer? Comment le réparer? Question. Donc, partagez, s'il vous plaît. Je voudrais garder la vidéo pour demain. Nous allons d'abord vérifier si nous avons le droit de publier la vidéo, de la faire jouer. Il n'y a pas de problème. Vous aurez la vidéo. Ceux qui voudront la vidéo, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez, vous avez mon numéro, je peux vous balancer. Vous pouvez regarder personnellement la vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez. Je vous balance la vidéo, vous regardez. Mais je ne pourrai pas faire passer la vidéo sur ma page. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons dire merci à Baoui. Parce que je dis merci à Baoui, parce qu'il parle de transformation du jamais vu depuis l'indépendance. Mais il y a deux sortes de transformations pour un pays. La transformation négative et la transformation positive. Monsieur Baoui, il y a un monsieur qu'on appelle Kédian Doumbouya. C'est le grand frère de Mamadi Doumbouya, Monsieur Baoui. Monsieur Baoui, le monsieur là aujourd'hui, est le patron de la Guinée. Monsieur Baoui, vous savez très bien, c'est son grand frère qui gère la Guinée. Il n'est pas allé à l'école. Monsieur Baoui. Le grand frère de Doumbouya, ils ne sont pas de même père ni de même mère. Mais c'est son grand frère. Lors du décès de son papa, c'est le papa de Kédian qui avait épousé sa maman. Monsieur Baoui. Benjamin, mon numéro WhatsApp, c'est le 001-215-779-7634. C'est mon numéro WhatsApp sécurisé. Voilà, tu peux m'appeler. Aujourd'hui, je ne travaille pas. C'est mon jour de repos. Voilà. Baryon de Waï, frère. Donc, c'est pour vous dire, M. Baoui, mi fala ha l'angolondo, simplement famo. Vous devez arrêter M. Baoui. D'accord, chèque, il n'y a pas. M. Baoui, vous devez arrêter. C'est-à-dire, je vous comprends, M. Baoui. Moi, je vous comprends personnellement. On a là nos bouli. Voilà, on a là nos fousses. Votre parti était mort. D'ailleurs, vous vous êtes accroché d'un parti politique. Voilà. Il y a un parti politique, Barro, Inde ou ceci, cela. Vous savez très bien. Mais je voudrais que vous arrêtiez de commettre des erreurs. Vous êtes en train de commettre assez d'erreurs. Monsieur Baoui, ils sont en train de vous induire dans des erreurs. Le grand frère de Doumbouya, je dis bien son grand frère, si vous voulez, je veux te faire écouter 5 vocaux, Monsieur Baoui. Monsieur Baoui, vous connaissez l'école qu'on appelle Saint-Georges. L'école qu'on appelle Saint-Georges. Il y a une grande village, il dit 3 par 5, presque 5 par 5 collés. On continue à Makolon Kéyan à débarquer là-bas parce que il y a eu litige autour de ces 5 par 5 collés. Quel exemple je donne? Je peux citer beaucoup d'exemples. Là-bas, on donne beaucoup d'exemples. Mais je préfère vous donner le plus récent de ce Baoui. Vous comprendrez, M. Baoui. Ceux qui veulent avoir la vidéo, mon numéro, c'est le 001-215-779-6734. Quand vous m'arresterez là, je vous balance. Dès que je vois dans ça là, je vous balance la vidéo. Vous comprenez, M. Baoui. C'est le plus récent. Je vais laisser ce qui est passé. On dit le ministre chez moi à Pita. Salam alaikum à toute la famille à Pita. Singulièrement à Dongol Touma. Et c'est vrai. Donc, M. Baoui, arrêtez de commettre des erreurs. S'il vous plaît. C'est-à-dire, comme hier, vous devez arrêter. Son grand frère Kédian n'est pas allé à l'école. C'est lui qui gère la Guinée. Il est logé, il mange, il fait tout au palais Mohamed V. La chambre salon qui a été bien aménagée fait suite à la chambre où on tue les gens. Où se passe la torture.
Monsieur Bahoul. Le bâtiment appartient à une dame épousée par un Italien comme ça, Italo comme ça. La dame était là-bas. L'Italien était parti, la dame a revendu toute la partie. En dit au monsieur Bahoul, ils ont fini de récupérer toutes les parcelles à Kamaïn, à Cameroun, toutes les parcelles à litige. Des parcelles où il y a toutes les discussions du monde là. Mais d'habitude, il suffit que tu viennes trouver une autorité du CNRD. Il y a un problème sur cette partie-là, à Kamaïn, au Cameroun. La personne s'est saisie de ça et puis il y a un pousse à problème. C'est comme ça s'est passé. Ils ont récupéré les terrains, les bâtiments de beaucoup de personnes, de Kamaïn jusqu'à Cameroun. Ils ont tout récupéré. Saint-Georges, au bord de la mer là-bas. Et M. Bahoul, vous savez qui s'est mis dans cette affaire? C'est Kédian Doumbouya, le frère de Doumbouya. Il a débarqué à 1h du matin. 1h du matin! On m'a appelé au téléphone. Il a débarqué à 1h du matin. Ceux qui étaient là-bas, personne ne rentre parce qu'ils ont mis les deux courants en location. Il y avait l'autre, une bonne partie de l'autre côté, une bonne partie qui n'est pas occupée. Mais déboyer, il faut. Elle a tout vendu. L'Italien est revenu. L'Italien est revenu. Parce que le moment-là, chacun profite pour régler ses comptes. Ce moment-là. C'est un ami à moi de Mamou, un petit à moi. On lui a dit, moi, il y a Mamou, c'est le petit-là. Qui était chargé avec un autre frère de gérer le coin. On est parti, il est revenu. C'est le grand frère de Doumbouya qui est venu à 1h du matin. Quelqu'un pour... Parce qu'on l'a informé que la partie là a un problème. Are Oukiti. Il dit qu'il veut voir toutes les parties. Tu sais ce qui s'est passé, M. Bahoul? Il a demandé combien coûte la partie. On dit 1 300 000 dollars. J'ai tous les documents ici. 1 300 000 dollars. Il dit qu'il achète. Il achète quelqu'un. Monsieur Bahoul, c'est un exemple que je vous donne. Demandez à... Tout le monde connaît la villa là. À Saint-Georges. Arrivé à Saint-Georges, comme ça, à gauche. Faut nous en dire non. Monsieur Bahoul, c'est un exemple que je vous donne. Vous comprenez? 1 300 000. 1h du bateau débarque. Il a appelé. Dès qu'il avait... Les gens là disent que non, il ne rentre pas. Ceux qui étaient là-bas, on dit non. Il ne rentre pas. Dès qu'on l'a mis, il n'est pas dépassé dans le Kotomako. Lui, il ne sort pas. Hein? Il dit qu'il ne descend pas. On dit non. On dit c'est le frère de Doumbouya. Il dit tant pis pour eux. Vous appelez le petit. Je ne dis pas son nom. On dit non. Lui, on dit il n'a qu'à venir la journée. Il dit qu'il ne vient pas la journée. Mais c'est pas où il dit qu'il vient. Pour des affaires comme ça, il dit qu'il ne vient pas la journée. Il ne vient pas la journée. C'est à 1h du matin. Tellement que le petit là. Oui, c'est pour. Il est trop sûr de lui, c'est vrai. Il dit non, si vous voulez la partie, vous venez la journée. On discute du prix. Vous venez la journée. Mais c'est 1 300 000, indiscutable. Il dit non, je ne peux pas venir la journée. Sauf la nuit. Donc, le marché reste comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, M. Bahoul? Ils ont poussé l'Italien à envoyer sa propre femme à la justice. Et vous savez qui a eu raison, M. Bahoul? C'est l'Italien. Et le frère de Doumbouya demande à l'Italien de rembourser tous ceux qui sont là-bas, là, 230 millions, M. Bahoul. Et quand il récupère, il le vend. La dame là est foutue. Voilà comment ça se passe, M. Bahoul. Le même Kédian là, m'a-t-on informé avec toutes les preuves, à l'université de Kaka. À l'université de Kaka, il a les fonctionnaires partout. Quand tu n'en vas pas son argent. Donc, Andigo, tu sais, tu es chef de gouvernement. Tout le monde le connaît. Kédian Doumbouya, même Doumbouya a respect pour lui. Tu n'en vas pas, il va dire à son jeune frère de t'enlever à ton poste. C'est la même chose que sa jeune sœur, Aïcha. Parce que Aïcha et Papi et Doumbouya, c'est les trois qui sont les mêmes pères, même mères. Il y a d'autres qui sont les mêmes pères avec eux. Mais même père, même mère, là, c'est eux. Mais c'est pas oui. On a chai.
C'est un exemple. Aujourd'hui, la dame a été envoyée à la justice. C'est devenu un problème. Le même Kédian Doumbouya, M. Baoul, parce que vous parlez de transformation, je suis en train de vous dire que la Guinée aujourd'hui appartient à une seule famille, M. Baoul. Et vous le savez très bien que la Guinée appartient à une seule famille. C'est ça que vous devez reconnaître aujourd'hui, M. Baoul. C'est-à-dire que la famille pense que tout le monde doit se coucher à terre, mais au Coréen, c'est comme ça. Il faut parler de la famille, il faut travailler pour la famille, tout pour eux. La vidéo que j'ai ici en fait foi. Parce que ce n'est pas l'armée qui a fait le coup d'État, c'est les forces spéciales. Et bel et bien, les renseignements, les Américains ont appuyé, mais pas le gouvernement américain. Mais les Américains ont appuyé. Jusque-là, les gens nient ça. On dit non, les militaires étaient en partance à l'ambassade. C'était archi faux. Les militaires n'étaient même pas en mission en Guinée. C'était juste pour sécuriser le palais. D'autres disent que c'est pour ne pas qu'Alpha Condé soit tué. D'autres même disent que c'est pour être sûr que le coup d'État. Parce que si le coup d'État dérapait, si ça échouait, c'est eux qui devaient remettre le coup d'État sur les rails. Voilà pourquoi ils n'ont pas participé au tir. Parce que ça a réussi. Si la garde présidentielle, les camps se levaient pour stopper, il y aura plein de sang, beaucoup de morts. Et c'est ce que la dame explique. Dans son document, elle a tout documenté. Aujourd'hui, les fachettes du livre là sont en train de s'écouler comme ça, comme de l'eau. Elle a tout documenté. Comment ça s'est passé, comment ça s'est dû là, tout expliqué. Quand vous écoutez la vidéo, vous comprendrez que oui, les militaires, ils voulaient juste tromper les assises, on sait très bien qu'ils n'ont pas. C'était une garantie, une sécurité pour mettre le coup d'assaut des rails. Donc, ils ont participé. Ils ont participé. Donc, M. Baoui, Fanke, vous nous parlez de transformation, M. Baoui. La cimenterie de Guinée. L'usine de ciment là. Je pense que vous êtes informé. Qui reçoit les 10%, c'est Kédian Doumbouya. Le ciment de Guinée, l'entreprise qui appartient à la Guinée, son frère reçoit 10%, Kédian. Monsieur Baoul, vérifiez pas tout. Vous ne pouvez pas vérifier, ou bien vous faites semblant, mais vous avez les documents. Monsieur Baoul, allez-y vérifier. Ndare, donc, la transformation dont on vous parle, oui, c'est normal. La Guinée est en train de se transformer. Mais dans quel sens? Dans quel sens? Monsieur Baoul, je prendrai cet exemple encore. Les exécutions là aussi. Oui, pendant les manifestations, il y avait des tueries. Mais les enlèvements pour faire disparaître les gens là, c'est la première fois en Guinée. C'est que nous savons, ce n'est pas le temps de se couturer. Je ne parle pas tant de Sékou Touré. Mais actuellement là, de notre vécu, à notre temps là, je parle, nous les enfants qui sont nés entre 70 jusqu'à 2005, parce que c'est la portion là que je peux dire qui ont aujourd'hui, selon les autres, hein, ceux qui sont nés avant, ont connu le temps de Sékou Touré. Mais entre 70 et 2005, combien donc Andy, cette nouveauté là, c'est Baoul. Vous avez vécu dans ce pays. Donc, mais enlever les gens, l'équipement, les exécuter là, c'est une première en Guinée. Sahal Ibn Asofay, c'est une première en Guinée. Pendant le temps d'Alpha Condé, oui, il y avait les manifestations. C'est pendant les manifestations qu'on tue les gens, c'est vrai. Mais enlever quelqu'un, kidnapper pour l'exécuter, c'est la première fois. Donc, c'est une transformation, comme vous le dites. C'est du jamais vu depuis l'indépendance, c'est vrai, M. Baoul. Kokonga. Des camps de concentration. J'enlève le temps de ce que tu dis. Je parle de notre temps, de l'ancien rencontre. Les camps de concentration, c'est une première. Vous avez Fotoba? C'est Baoul. Oui, c'est vrai. Il y a du jamais vu depuis l'indépendance. Kokonga. Kassala aujourd'hui. Même au palais,
C'est-à-dire avoir un camp de concentration à l'intérieur d'un palais là, c'est une première en Guinée. C'est vrai. Oui, parce que c'est pas nous qui le disons, c'est Mohamed Sy qui le dit. Et puis c'est vérifié. Les renseignements américains le savent. Les renseignements français le savent. La DGSE le sait très bien. Qu'il y a un, il y a deux chambres mortières à l'intérieur du, je peux dire là où on massacre et puis on enterre les gens. Il y a des caniveaux au palais Mohamed Sy. Ce palais là, il y a quelqu'un qui disait, ces deux palais ne seront plus jamais utilisés par un président sain et propre. Président Laboudo, un président propre, sain, ne va jamais occuper ces deux palais. C'est Touréa et Mohamed Sy. Plus jamais. Nous allons demander de construire un palais ou de prendre une villa, en faire un palais. Mais les deux palais là, non, je ne pense pas. Parce que les esprits vont hanter. Ce sont des palais qui ne peuvent plus. Il y a eu trop de médicaments, trop de personnes égorgées à l'intérieur de ces deux palais. Donc quelqu'un, un président élu par le peuple de Guinée, choisi par la population, ne peut plus siéger dedans. Monsieur Bao, je vais terminer par cet exemple-là. Acceptez que je termine par cet exemple-là. Nos athlètes, c'est les Jeux Olympiques. J'ai suivi le montant, Monsieur Bao, Hébé Baori, le montant donné par le gouvernement de RDC. Vous savez combien le RDC a mis pour les athlètes? Parce qu'il y a un problème d'image. Regardez le petit Burkina. Le petit Burkina, tous les athlètes, tout le monde est parti avec son entraîneur. Même le sport singulier, là, les athlètes et autres, là, ceux qui ont des entraîneurs individuels, sont partis avec les entraîneurs à la charge du département de la jeunesse des sports. Le Mali, le Niger, le Comore, tous ces pays, même le Soudan en guerre, les gens sont partis avec le budget du département. Monsieur Baoui, oui, c'est une transformation. Chez nous, en Guinée, où on fait la grande gueule, où tout est bon, où non, c'est la refondation, tout est OK. Doumbia, c'est le champion. On laisse les entraîner des athlètes. Et puis, ce qui est marrant, ce qui me surprend, ce sont des Guinéens, des Bonariens qui disent à Bogolan là-bas qu'ils ont trouvé des entraîneurs là-bas pour les athlètes. Qu'on des mises à niveau. Et puis, il y a certains même qui minimisent les athlètes. On dit, oh, ne vous en... ils feront rien. Mais participer là, vous ne savez pas que participer là donne une image. Regardez le drapeau guinéen aux Jeux Olympiques. Ça ne vous donne pas quelque chose. Et puis, vous minimisez vos athlètes. Vous les minimisez, vous les mettez à bas de l'échelle. Regardez le président Diomaye Faye. Même quand il est arrivé en France, il a fait un geste pour les athlètes sénégalais. C'est extraordinaire. Oumaru Sissoko Embalo, je pense qu'ils ont deux ou trois athlètes seulement. Embalo a fait un geste. C'est nous en Guinée où on laisse les entraîneurs et puis on envoie les familles. C'est du jamais vu. Quelqu'un me dit que non, Bogola Aba peut voyager, peut voyager avec sa femme, mais son enfant là, c'est un fonctionnaire. Parce qu'il y a un problème d'image. Vous ne comprenez pas. Il y a une question d'image. Ce sont des événements. Jamais. Un grand pays francophone organise. Et vous partez nous ridiculiser là-bas. Vous pensez que les gens ont besoin de voir votre forêt sacrée mélangée avec la tenue africaine là. Non, vous pensez que ça. Vous pensez que c'est important. Et puis vous mettez le branding. Ça n'effraie personne. Regardez l'équipe nationale qui a très bien joué. Qui a très bien joué. Notre équipe nationale a très bien joué contre la Nouvelle-Zélande. Bon, c'est pas avec une équipe. Oui. Voilà ce qui intéresse les Guinéens. C'est pas vos farces. Je comprends quand Kaba Diawara disait qu'il a entraîné l'équipe, il se sacrifie. Je comprends. On a demandé le détail. Il dit non, il dit qu'il ne rentre pas dans le détail. C'est pour les primes et les salaires. Il a parfaitement raison. Kaba Diawara a parfaitement raison. C'est maintenant que je comprends qu'il a parfaitement raison. Mais c'est Baoury. Oui. Il y a eu des transformations du jamais vu depuis l'indépendance. Kogonga. Mais dans quel sens? Regardez l'essentiel de Bambeto.
C'est le plan initial, M. Baouri. C'est le plan initial. Hein? M. Baouri, je connais trois personnels du département des sports qui sont partis avec leurs copines. Donc, une est une grande camarade, une promotionnaire à moi, qui est partie. Un fonctionnaire du ministère d'un département, je ne dis pas le département, signé par la présence, il est parti avec sa femme, avec sa copine, parce qu'il n'est pas marié. Mon ami là et sa copine sont partis en France. Et les entraîneurs des athlètes sont restés à Conakry. Oui, c'est une réforme du jamais vu, M. Baoui. C'est normal, c'est vrai. Voilà pourquoi je dis vous avez raison. Vous pensez que c'est les poses des premières pierres là qui vont nous exciter? Il y a des poses de. Bernard Gomou a posé plus de 30 premières pierres. Bernard Gomou a posé plus de 30 premières pierres. Que quelqu'un aille photographier tout ce que Bernard Gomou a posé comme première pierre, si ça, cela a été réalisé. Ça n'impressionne personne. Tous les jours, on nous montre l'extension de l'aéroport Glissia. Mais qu'on nous montre le progrès, jusque-là, les mêmes plans sont couchés, les mêmes tôles, les mêmes, rien ne bouge, on dit non, l'extension de l'aéroport avance. Mais c'est bon, vous étiez au stade de Nongo pour le lancement de démarrage des travaux de fixation du stade. Alors pourquoi la CAF n'a pas retenu le stade? Parce que la cérémonie a eu lieu trois mois avant l'arrivée de la CAF. Donc de trois mois jusqu'à rien n'a bougé. C'est des amis qui nous ont dit, moi je suis de la Thomas. C'est des amis qui nous ont dit, non, Benito, il n'y a rien. Le stade de la Perse, il n'y a aucune activité à l'intérieur. Pourquoi vous mentez? Hi, Queen. Yes. I'm coming, Queen. I'm outside, okay? Wait, okay? Please, baby, wait, I'm coming, okay? Well, give me 3 minutes, okay? Okay. Vous comprenez, M. Baouri? Malheureusement, nous avons été insultés ici par des gens, de Ousmane Kaba, qui font semblant d'être partisans. D'être partisans de. Partisans de qui? Partisans de. De Ousmane Kaba. Ils font semblant d'être partisans de qui? Partisans de notre parti, et c'est faux. Les gens nous ont dit ici là, le Milo, parce qu'on n'a pas supporté le Milo, que le Milo, parce que Doumbia vient de Kanka. C'était pas ça. Le Milo qui est champion de Guinée là, va jouer dans quel stade? Bogolan Abba qui met partout occupation saine de la jeunesse. C'est lui qui le met, occupation saine de la jeunesse. C'est Bokola Abba qui l'a dit. Occupation saine de la jeunesse. Occupation saine de la jeunesse, c'est lui qui voyage avec sa famille, qui laisse les entraîneurs des athlètes. Il va là-bas, c'est par rapport à quoi? S'il n'y avait pas d'athlètes guinéens aux Jeux Olympiques, il n'y avait pas notre équipe nationale aux Jeux Olympiques. Alors, est-ce qu'il allait avoir une délégation guinéenne? Non. Ils sont là-bas à cause de ces équipes et ces athlètes-là. Alors, pourquoi ceux-là ne partent pas avec, les entraîneurs? Mais il fait voyager sa famille. Et son garçon. Et puis dans quel hôtel? Hôtel 5 étoiles. Aux frais de quoi? Aux frais du contribuable guinéen, M. Baouri. Je m'intéresse beaucoup à vous parce que vous êtes en train de nous distraire. Vous êtes en train de nous distraire, M. Baouri. C'est des occasions comme ça que certains ne vont plus jamais revenir. Je vous informe aussi, M. Baouri, il y a beaucoup de responsables qui ont fait voyager leurs enfants qui ne vont plus jamais revenir. Que les Guinéens retiennent ça. Après les JO, vous allez entendre ces scandales-là. Attendez. Beaucoup, ils vont dire non, ce n'est pas des athlètes. Beaucoup qui ont des passeports diplomatiques. Beaucoup parmi ces Guinéens-là qui sont partis, qui ont profité de ces Jeux Olympiques-là, ne vont pas revenir. Ils ont les passeports diplomatiques. Il ne faut pas revenir. Les gens ont acheté à coup de 20 à 30 millions de passeports diplomatiques.
et partir en France pour les jeux là. Ils ne vont plus revenir. C'est terminé. Monsieur Baouri, Ndare, donc. Regardez le stade de l'Ansana, le stade de 28 septembre. C'est lui KPC qui a réuni tous les médias pour dire non, voilà les travaux. Allez-y au stade 28 septembre. Moi, j'ai pensé qu'à partir de là, KPC allait finir avec le stade de 28 septembre et puis là, il met à la disposition des équipes nationales. C'est resté comme ça. Je connais bien le monsieur là-bas, KPC. Non, il est trop intelligent. C'est la jalousie de Kassori qui va le fatiguer. Parce qu'il est trop jaloux de Kassori. Monsieur Baouri, je voudrais terminer par ça. Si vous permettez. Permettez-moi de terminer par ça. Excusez-moi. Je voulais vous rappeler même. Vous avez vu le monsieur là, monsieur Baouri. Regarde très bien, monsieur Baouri. C'est... Vous l'avez vu, M. Baouri, c'est lui le conseil, c'est lui le patron de la zone, c'est lui le patron de la zone, c'est un Français, c'est un ancien de l'enseignement français. Celui qui tue, celui qui applique toutes les méthodes de Kagame, celui qui entraîne. Regardez, M. Baouri, ça c'est, oui, c'est du jamais vu dans notre pays, M. Baouri, c'est du jamais vu. Oui, regardez très bien, du jamais vu, le monsieur là, c'est lui. C'est lui, c'est un gendarme, c'est le conseil de Bala Samoura. M. Baouri. Le voici ici. Regardez-le, c'est lui. C'est lui qui tue nos gens. Monsieur Baouri, il y a beaucoup. Monsieur Baouri, regardez-le. Vous avez vu? C'est jamais vu. Au Niger, on demande même au contingent américain de partir. Il n'y a pas de soldats étrangers. C'est le Niger qui te demande de rentrer. Monsieur Baouri. Oui, je n'ai jamais vu. C'est vrai. C'est pour vous dire, vous avez raison. Vous avez raison, Monsieur Baouri. Vous comprenez? Je n'ai pas perdu mon temps. Je me limite là, M. Baouri. Je voulais vous montrer encore un document. Je ne suis pas en train de vous accuser. Hein. C'est vous qui l'avez dit. Oui. La Guinée est en train d'entrer dans une phase de transformation inédite qu'elle n'a pas connue depuis son indépendance. C'est vrai. Nous sommes en train de rentrer dans une phase inédite. Parce que même la Guinée est gâtée, la Guinée est foutue. Nous sommes totalement foutus. Oui, cette phase est inédite. C'est une réalité. Vous comprenez, M. Baouri? Mais c'est l'histoire, comme disait Elie Kamano. Elie Kamano a parfaitement raison. Ce qu'il disait à Ousmane Gawal. Et vous aussi, c'est pareil. Donc, je voudrais encore dire à un frère, je vais résister, ça c'est des infos. Voilà, un frère qui m'a parlé de Takana. Mon frère, je t'ai envoyé la vidéo de Tiken Diafakoli. Tiken Diafakoli a été interviewé, c'est avant-hier, c'est avant-hier. Je pense que je t'ai ramené à la vidéo de Tiken Diafakoli. Va écouter Tiken Diafakoli. Tiken Diafakoli dit qu'il n'est pas pareil à Takana, il ne chante pas pour un malfaiteur. C'est Tiken qui l'a dit. Hein. Faut écouter Tiken Diafakoli. Il ne chante pas pour un malfaiteur. Il est parti saluer IB. Il est parti le saluer au départ. Parce que IB, pour lui, était sur le bon chemin. Oui. Mais le comparer à Takana, c'est très grave. Takana n'est pas pareil à lui. C'est-à-dire, j'ai aimé. Ils ne sont pas pareils. Ce n'est pas le même reggae. Ce n'est pas le même mode de vie. Ce n'est pas le même soutien. Et lui ne comprend pas que certaines personnes se permettent. C'est la partie là que j'ai aimé. Que certaines personnes se permettent de le comparer à Takana. Les gens même ont mis la photo de lui et Takana. Regardez-le.
ne sont pas pareils, il l'a dit. Mon ami, tu m'as demandé de laisser les artistes de faire la politique, c'est ce qui me va. Je te dis que ça ne te regarde pas. Voilà, c'est un certain quoi là. J'ai ton message ici. C'est quoi là-bas? C'est pas quoi, quoi. Quoi, Souma là. Mon frère, je ne suis pas. Moi, je te dis de t'occuper de ta. Tu peux quitter. Tu n'es pas obligé de me suivre. Mais tu me supplies et puis tu m'apprécies, tu fais mes éloges et tu me demandes, tu ne me supplies de laisser ta canard, de laisser les artistes. Mon ami, je ne parle pas d'artiste. C'est l'artiste qui va se mettre sur mon chemin en parlant de la politique qui m'intéresse. Takana, elle n'est plus artiste. Takana est en train de faire la politique. Selon toi, là, il y a un Libanais qui a demandé que Takana n'a qu'à répandre la chanson de. C'est le Libanais. C'est-à-dire, tu dis que les Guinéens qui ont fait les trucs là étaient loin, n'étaient pas nombreux. Mon ami, ne rentre pas dans un débat. Je pense que je t'ai dit que tu ne connais pas la guerre de la communication. On dit que si, celui qui gagne la communication, la guerre de la communication a gagné la guerre. Ou bien tu ne sais pas ça. La communication a donné le pouvoir à Trump en 2016 ici. La communication. C'est la communication qui a donné le pouvoir. Les Russes l'ont beaucoup aidé. L'Internet, la communication. Tout ce qui est technologie a donné le pouvoir à ce monsieur-là. Tu ne comprends rien. Nous avons. Des gens nous ont envoyé les vidéos de ce qui se passe à Montréal. Il dit, regardez la réalité. C'est ce que nous avons exploité. Donc, toi, tu n'as rien à me donner comme conseil. Ou bien me supplier. Tu comprends, non? Cher Konaté, il faut le laisser. Donc, Tiken Dia Fakulla. Est-ce que vous voyez? Moi, Takana Zéon, d'abord, moi, je ne l'écoutais pas. Mais c'est ce que le frère dit comme ça, le frère précise comme ça. Le frère. Moi, Takana, c'est le problème de politique, parce qu'il est rentré dans la politique. C'est lui qui nous a attaqués. Il dit dans sa chanson, et dans le Facebook, je n'ai rien à faire de fait. Et puis ce qui me fait rire, il est dans Matébédi, Madidi, c'est-à-dire que Doumbouya est son ami. Comme il se voit là, il se parle. Donc il paye son ami, il a pris comme son ami, il a maté, dit ma scène de fait. Vous comprenez, c'est le même Takana qui a chanté pour nous. C'est le même Takana qui a fait les éloges et là c'est dans les dialogues. C'est le même Takana. Donc c'est le même Takana à chaque pouvoir. Où bien tu vois aujourd'hui les Oudis premiers tourner autour de nous. Les Oudis ont compris. Eli Kamano a compris, mais c'est lui qui a vite compris. Les gens ont conseillé Eli Kamano de faire attention. Mais en réalité, en matière de chanson, quand vous écoutez, parce que c'est ce qui te fait mal, quand vous écoutez Eli Kamano, vous écoutez les phrases sont limpides, sont propres. Voilà. Mais quelqu'un me dit même que Eli a toutes les dents dans sa bouche, mais que Takana n'a pas de dents. Je dis, ah bon, Takana n'a pas de dents. Takana n'a que trois dents par là, une dent de l'autre côté, et les dents devant, tout est brouillé. Bon. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu l'entrée de sa bouche. Donc, mon frère, il te fasse. Et puis, je vais, ça, c'est les infos. C'est par rapport aussi à la publication de la remise de diplôme de Farré. Mais, je vous ai juste demandé de demander à la DIRPA de vous montrer la date de remise de diplôme. Voilà, c'est la communication du CNRD. De vous montrer la cérémonie en direct. Regardez la date de la cérémonie, la remise de diplôme. Vous comprenez? Voilà. Ça aussi, c'est pour répondre à une autre personne, pour le soulager, parce qu'il dit qu'il ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon frère, ceux qui étaient là-bas, là, m'ont dit, moi j'ai vu les jeunes là m'ont appelé, d'autres m'ont dit, Benito, nous avons eu là-bas, Général Zéro, ceux qui ont pas. Toi qui étais là-bas, tu dis qu'un Libanais a réclamé, c'est un Libanais qui a réclamé Takana. Mais les autres là sont des Guinéens, sont des compatriotes, c'est des patriotes, c'est des gens qui aiment ce pays. Voilà, Néo Kaoul, Ntané Nama, mon frère, Nané Nama, Ntabou Libanais Rawem, Libanais n'est pas un Guinéen. Ibrahim, donc il faut te calmer.
Amara, pour toi là, je te laisse sur YouTube. Je vais parler de toi, Amara, ok? Il n'y a pas de problème. Comme tu dis, il n'y aura pas d'élection là. Toi, tu as raison, parce qu'aujourd'hui là, tu es. Est-ce que tu travailles dans ton bureau? Est-ce que tu es libre? Dans toutes ces questions. Toi et moi, nous savons très bien ce qui t'arrive. Si tu n'es pas mort là, c'est notre communication. Tu le sais très bien. C'est grâce à nous, on ne t'a pas tué. On ne t'a pas pris. Parce que nous avons déjà parlé rapidement. Les gens nous ont appelé. S'ils ne parlent pas, ils vont le tuer. Comme au moins, tu reconnais ça. Dieu merci. Mais continue à jouer le jeu de Gawal et autres là, ok? Donc, portez-vous bien. On se reprend sur YouTube, Inch'Allah. Continuez à vous abonner sur ma page @massantabento officiel. Parce que les gens ont fait les reproches que je ne montre pas les images sur YouTube. Et de faire distinctement les vidéos. Donc, je préfère faire différencier les directs, quoi. Donc, merci. On se reprend sur YouTube, Inch'Allah. Donc, ne vous en faites pas. J'ai compris. C'est vous qui m'avez fait. Voilà. Donc, ok. Un truc que l'image, mais la date de remise des diplômes est bien claire. C'est pas les signatures de l'exil. Pas signature. Donc, merci, Boa Samsam. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, Benjamin. Voilà, tu peux me calmer, Boston. Portez-vous bien.